Il est vieux. Il est trop absorbé. Et moi, je me sens aujourd'hui si jeune. Et j'aurais si grande envie de faire des folies. Au lieu de me coucher, j'aurais voulu faire des pirouettes. Mais avec qui ? Une atmosphère de vieillesse m'enveloppe. Tout mon entourage est vieux. Je m'efforce de réprimer chaque élan de jeunesse. Tant il paraît déplacé dans ce milieu qui est raisonnable. C'est un extrait du livre « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. C'est un livre qui raconte les femmes, un peu l'histoire des femmes, et ça c'est le tome 2. Mais ça raconte un petit peu l'histoire des femmes quand elles sont petites, comment ça se passe. Puis un peu plus grande, puis adolescente, puis adulte, puis après. Ça part des mariages forcés, comme là. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, je dis bien, eh bien des femmes, des jeunes femmes, étaient mariées de force à des hommes mûrs ou plus âgés ou vieux, tout simplement. C'était normal, c'était la norme. Ce n'était pas aux filles de choisir un homme, c'était aux hommes. Ils arrivaient, ils allaient voir le père et lui demandaient la main de sa fille. Qu'elle soit d'accord ou pas, hein, ça, on s'en fout. Elle est jolie, elle plaît à l'homme, qui peut rapporter pas mal à la famille de la mariée, une belle dot. Allez, marché conclu. En France, normalement, ça ne se passe plus comme ça. Ça se passe dans d'autres pays, oui. Hélas pour elle. Voilà. Hélas pour toutes ces femmes qui sont violées, pour certaines, qui sont maltraitées pour d'autres. Et pour celles qui sont violées, c'est aussi de la maltraitance. Alors, ce livre, je ne sais plus quand il a été publié, mais ça fait quelques années. Voilà, j'étais tout jeune ou j'étais pas né. Non, je pense que j'étais tout jeune. Et elle parle de cette époque-là aussi. Ben oui, elle parle d'avant, mais aussi de cette époque-là. Parfois, elle compare les deux. C'est très joli. Très joli livre. Et très bon livre. Alors, tout le monde ne peut pas le lire et l'acheter. Il faut, si tu es féministe, il faut que tu l'achètes, c'est sûr. Un homme langa, un homme comme monsieur et madame tout le monde, non. Non, parce que ça ne va pas vous intéresser. Ceux qui s'intéressent à l'histoire des femmes aussi peuvent le lire. Sinon, le monsieur qui vient de passer devant moi, je pense qu'il n'en a rien à faire. Je préfère connaître, avoir le livre du dernier champion du monde. Français, bien sûr. Bah, le livre de Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Bon, bah, maintenant, je vous dis à toutes et à tous, eh bien, rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Au revoir.